C'était quoi? Est-ce que vous savez ce que... Oui, Tata, elle est germophobe. Tu veux le terme? Tu veux, Tata? Germophobe. Hein? Salut. Ouverture de ce nouveau blog. Nous sommes à Bonneval. Je suis avec mes petites nièces. Et Eric. Je vous avais dit, on va faire un petit tour de bateau. On s'est mis à long parce que là, ça tape fortement. Tout le monde a sa casquette, c'est bon. Impeccable. Mais en plus, c'est très joli, Bonneval. C'est appelé la petite Venise de Beauce. C'est ça, hein? Alors, pour je vous situer un peu devant Venise. La Venise de Beauce. Ouais. Ou la petite Venise de Beauce. Je sais pas. Ou la Venise de la petite Beauce. Je suis pas sûr de mon coup. Non, on n'est pas sûr. C'est joli, hein. C'est pas profond ou c'est juste qu'il y a Je sais pas. Tu vois la vase? Non, non, ça m'a pas l'air bien profond, ça. C'est là qu'il nous a dit de baisser la tête. Tu mets... Et Eric, surtout, baisse là. Oh ah ouais, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a le bateau qui frotte. Ah, t'es limite, hein. Oui, bah, ça, tu sais. Comment? C'est super mignon. Oui. Je comprends maintenant pourquoi la petite Venise de Beauce. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est vrai. C'est la folie. Non, trop tard. Trop tard. Non, non, mais stop. Mais je fais comment? La panique. Faut pas qu'il y ait un bateau. J'ai fait une crise cardiaque. C'est hyper paisible. Hein. Bon, bah, ça fut une petite balade très sympathique. Maintenant, c'est le réconfort. On va prendre des petites glaces. Oh, y a plein de trucs sympas. Regardez la dame, là, ce qu'elle prend. Merci. Vous pensez prendre quoi? Un comme Kit Kat. Ok. Ah, tu m'étonnes. C'est beau, ça. Vraiment très chouette cette petite balade bateau. Il est déjà 20h. Là, je vais me faire un truc très simple que j'aime beaucoup. Des œufs durs, un peu de saumon. Et pour aller avec, je vais me faire 2-3 épisodes de Grey's Anatomy. Voilà, c'est parti. Samedi. J'ai pas vlogué hier, on est allé un peu se balader sur Chartres. En fait si, j'avais vlogué et puis il y avait très peu de prises, donc ça sert à rien. Je ne les mettrai pas. Bon, on a fait un peu de shopping. J'ai trouvé d'ailleurs 3 fringues, 2 robes, une jupe longue. Et comme là, samedi, aujourd'hui, on va aller faire du shopping parce que j'aimerais me trouver des Santiago mi-hautes. Voilà, c'est des modèles qu'on ne trouve pas partout. Et donc ça va nous permettre également d'aller un peu se promener encore aujourd'hui. Ce matin j'ai continué les box. Et je pense que plutôt demain, enfin en tout cas dans cette vidéo, je vous montrerai tout en même temps les fringues que j'ai achetées, les essayages. Ça sera peut-être plus simple parce que là vraiment flemme, il fait trop chaud, il est déjà 2h32. Et je crois que c'est aujourd'hui, demain et après-demain, c'est là où il va faire des 35-40. Donc les essayages c'est pas ouf, alors très tôt le matin c'est pas mal. J'ai vachement de mal à vlogger là, je me rends compte. C'est compliqué, j'arrive pas à tenir un rythme. Alors après on est en plein dans la prod, ça n'aide pas. Mais même en plus je suis pas des fois toute seule et c'est pas évident de vlogger quand t'es pas toute seule. T'es pris par le mouvement des vacances. Donc c'était un petit peu décousu, mais j'essaie quand même d'en publier deux vlogs. C'est 3 semaines, mais là ça risque d'être compliqué 3 semaines. De toute façon je me rattraperai fin août, début septembre quand tout reviendra à la normale, mais bon. En attendant, j'essaie quand même de faire acte un minimum de présence. C'est un four dans la bagnole. Je voulais te sortir, on met de l'essence. Une charte de plomb. On est arrivé, mais je sais pas ce qui se fout. Qu'est-ce qu'il a? On a déjà fait 6 boutiques, ça, c'est express. Hein. Donc je trouve pas du tout. Je vous ai pas montré un peu le genre de modèle que je recherche, mais on trouve pas. Elles sont magnifiques. Oh, elles sont très belles. Hein. Ah c'est ouais. Magnifique. Ah j'adore. C'est magnifique. Les gouttes. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, donc on se pose là. Faire un petit pipi, puis manger. Boire un verre, pardon. Boire un petit coup. Il doit être 10 soir, il est peut-être 16h30, 17h. Oh la vache. Je vous ai dit ou pas qu'il fait extrêmement chaud? Regardez ce qu'il y a devant moi. Non mais par contre, c'est abusé là, le pauvre. Oh là là. Eh ouais, il doit mourir de chaud, c'est clair. Bon, on va se faire... Oh bah la tanière, décidément. On va se faire un petit Columbus. Oh là, non mais t'as vu ce que j'ai fait? J'ai pas vu et j'ai jamais envie de prendre le truc. Quoi, t'es pas? Ah, tu veux pas aller là? Bah, y'a plus cool, non? Eh ben, on va où tu veux. Ok, Oli. Seul choix, parce que là... Moi, tant qu'il y a des toilettes, ça me va. Bah, le Holy Diner, je le trouve plus cool parce que moi, si je viens de prendre un petit cocktail. Le petit cocktail de 17h. Oh, ça tape. Ouais, non, c'est. Attention, hein, trouver le modèle que je veux, c'est pas facile. C'est possible que. Ouais, que sur internet, ça m'embête. Parce que j'ai pas trouvé non plus. La barbe de papa. Pas la barbe à papa. La barbe de papa. Tu veux te mettre où? Dedans, peut-être? Je
demander à la dame de vous laisser. Ah, il fait meilleur là. Soit je suis pas raisonnable et je prends la waffle ici, ou bien je prends le carpaccio d'ananas. Les nouveautés, ça a l'air pas mal, hein. Cranberry, grenade et boule de glace. Oui, une glace cheesecake. Ah, j'avais pas capté. Glace, ah oui, cheesecake. Moi, j'étais raisonnable, mais en fait, c'est juste que j'ai demandé si la waffle, elle était croustillante. Il m'a dit non. Donc, bah voilà. Mais ça a pas l'air mauvais, mon truc. C'est super bon, la vanille avec. Camara qui tombe encore. On va continuer un petit peu quelques boutiques. Oui. Le carpaccio là que j'ai mangé, exceptionnel. Là, donc on est à Cultura. Et moi, je cherche des choses un peu pour. J'ai un peu parce que il y a quelques temps, je me disais, il faut absolument voir la prochaine fois que tu vas à Cultura que tu achètes ça. Je sais que c'était pour la gestion de mes box et tout. Mais je ne sais plus ce que c'est. J'adore ça, la papeterie. J'adore ça. Et là, pour le coup, il y a un vaste choix. Hein. Oh, il est beau celui-là. Surf Biarritz. Simple, efficace, magnifique. Il est très beau ce sous-main là. Ah ouais. Alors ça j'en ai déjà un. Très pratique, enfin moi j'utilise pas mal, mais je le trouve particulièrement réussi celui-ci. Waouh. Est-ce que vous pensez que c'est normal que je trouve ça beaucoup trop mignon? Le petit coffre, des surligneurs. Non mais pareil, adorable. Oh, c'est très beau ça. C'est un journal. Ouais, c'est ligné quoi. J'ai trouvé deux trois petits trucs à Cultura, je montrerai bien sûr à la maison. Et là, je suis devant Eram. Je fonde plein d'espoir, je crois que c'est le dernier magasin en tout cas. On est à Cap-Saran, hein, c'est pas dans Orléans Centre, c'est une galerie commerciale en extérieur. On va avoir plein d'infos de 38. Ouais, c'était vraiment 40, ça quoi. Vous l'avez vu la paire, vite fait je pense. Ça ressemblait à ça, mais ils n'ont pas ma taille. Ils m'ont dit d'aller dans le centre-ville d'Orléans, parce que c'est probable qu'il y ait. Donc pourquoi pas, je crois qu'Eric est déjà en train de... Ils vont pas te voir. Regarder. Qui va pas me voir? Les gens. Pourquoi? T'es en rouge sur le rouge, j'ai une tête. Elle m'a dit il faut aller voir place du Mar 3 à Orléans. Je suis désolée. Hein. Il y avait un problème avec une cliente sur une caisse. Ça a tout bloqué. Je vais jamais chez Jennifer. J'ai trouvé des trucs. Pépi. Bon, ça y est, je suis à Orléans. Il m'a déposé. Je suis chez Eram. Il est en train de chercher une place parce qu'il y a plein de monde. Ah, puis il est grand là. Je vais pouvoir peut-être trouver. Oh, je lui proposais à Eric s'il veut qu'on se fasse un petit truc après, il est presque 18h. Je les ai, j'ai pu les essayer, elles sont chouettes. Très très belles. On va aller se prendre un petit verre là, la chancellerie. Je pense qu'on va être à l'intérieur quand même. Je vous montre vite fait quand même, c'est la place du Mar 3. Orléans. Ça trinque ou pas? Ça trinque. Ah pardon, oui, il y a trinquage, excuse-moi. On a roulé, roulé, on a atterri au bord de la Loire, à Meung-sur-Loire, je vous montrerai après parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Une tartine orléanaise. Et moi c'est hibiscus, et il n'y a pas d'hibiscus, tu vois, non, il y a... chèvre, ça s'appelle la terrasse, c'est très grand. Pourtant c'est vraiment un village, Meung-sur-Loire c'est pas grand. Hein. Conquise j'ai été. Bon déjà on s'est régalé, le cadre était très sympa, c'était... Je vais retourner à Meung-sur-Loire sans problème. Restaurant La Terrasse. Voilà, il faut le signaler quand c'est bon. Et on va se promener un petit peu au bord de la Loire. Alors, il faut savoir que tu vois ici, regarde, l'eau, le 3 juin 1856, attends, elle avait une hauteur de près de 1m50. Ah, attends, ouais. Une très gros coup. En 1856. 1m50. Et moi, je fais 1m60, ouais, c'est ça, 1m62-3. Pour te dire que la Loire, quand elle sort de son lit, elle sort de son lit. Et ce qui se rapproche le plus du bord de mer, dans nos terres. Attends. C'est dans son jus ici, hein. Mais ça a du charme. C'est vrai, hein? Très sérieusement, là, j'ai eu un gros coup de cœur sur la terrasse. Enfin, le restaurant, la terrasse. T'as aimé? Vous savez ce que j'ai bu? Ça fait une éternité que j'ai pas bu ça. Une vodka pomme. Bah, c'est pas mal. Là, cette maison. Ouais. Elle doit avoir un potentiel de fou. Mais elle fait un peu dans son jus à l'abandon, quoi. Enfin voilà, vous savez tout. Oh, c'est agréable. Vous l'avez pas, mais il y a une petite brise là. Regarde, il y a un gars qui est heureux comme tout. Mais c'est tout à fait vrai cette histoire. Hein? Regardez. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est fou là? Qu'est-ce que c'est? On a un Meung-sur-Loire. Oh, c'est joli. Ça va être magnifique à ce temps-là. À la base, je voulais vous montrer un mec heureux. Quand t'habites dans les terres. Mais parce qu'il n'y a pas un... Non mais je suis désolée, depuis tout à l'heure je vlog, on voit juste mon oreille. Ah oui. C'est l'effet vodka pomme. Il n'y a pas un... Enfin, non, c'est faux. C'est faux. C'est touristique. Mais c'est touristique sans l'être. Ah, il n'y a pas fou. Bah oui, oui. Mais c'est ça qui est cool. Tu vois, là, on était à Orléans. J'ai très peu vlogué.
Pour le coup, il y avait full. Et tu sens, c'est Orléans, il y a combien, 117 000 habitants, ça commence à faire un peu. Et tu sens cette chape de plomb, tu sens que... Ouais. Et là, qu'est-ce que c'est plaisant. Vous êtes pour trouver des bottes. Ouais. Il faut mieux être à Orléans qu'ici. C'est sûr. Elles sont très belles. Très très belles. Merci. On arrive sur la place où nous avons mangé. Alors attention, à Mainck sur le Loir, les vélos peuvent rouler en contresens. Pourquoi tu dis sur le Loir, Mainck sur Loir? Pourquoi j'ai dit quoi? Mainck sur le Loir. Je t'en prie, oh, tu peux peut-être dire. Tiens, c'était notre serveur d'ailleurs. Très bien. Parce que réellement, c'est un endroit. Ah bah tout le monde me dit bonjour. Salut. Salut. C'est là en fait, la terrasse. Nous n'avons pas été prudents. Mais je sais bien, c'est comme ça que nous l'avons pris. Nous étions inconscients. C'est vrai. C'est bien d'être inconscient aussi. Quand c'est vrai, ça fait du bien. Ben, vous savez, c'est on ça, est d'accord. C'est ça. Non, ça revient, vous allez voir, quand vous allez encore plus vieillir. Et ben j'ai ah un... ouais. Bonne soirée. Ah oui, elle était mignonne avec la petite dame. Hein. Très. À Mainck-sur-Loire, il y a ambiance. Boîte de night, par exemple, là. Et là, effectivement, il y a le château. Et d'ailleurs, toutes les terrasses sont pleines. Hein. J'ai envie de dire bonsoir tout le monde. Hop, le DJ. Le château est... m'a l'air pas mal du tout non plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce qui est que amusant, c'est que le ciel au-dessus de la Loire, ça ressemble un peu au ciel au-dessus de la mer. Mais c'est un dégradé, mais c'est splendide. Il n'y a pas de filtre. Pourquoi tu t'es planté Mais parce que je regardais autour. Tu regardais quoi encore? A priori, pas le GPS. C'est les soirs d'été comme alors, ça. Alors à droite, t'as Beaugency. Oui. Ah, avec okay. La cité médiévale. Ça va. Et à gauche, t'as Mainck sur le Loir avec la cité médiévale également. Mainck sur Loire. Voilà. Pourquoi je dis Mainck sur le Loir? Je sais pas. Sur l'effet que j'ai de merde. Et ici, t'as une brasserie dans l'écurie. Ça va. Oh, mais le ciel. Et ma. Ah oui. Magnifique. Vraiment. Re, nous sommes lundi. On s'est quitté sur la route, c'était samedi. Oh, cette soirée, c'était génial. Hier, je n'ai pas vlogué parce que, bah, déjà, premièrement, je bossais. J'ai fait que ça, que ça, que ça. Je me suis bien avancée. Donc, pas intéressant pour vous. Si vous êtes très, très chaud, parce qu'à la base, j'avais prévu dans ce vlog, comme je vous avais dit, de filmer, d'essayer de vous montrer en fait toutes mes trouvailles. Le truc, c'est qu'il fait tellement chaud, il aurait fallu que je le fasse très tôt le matin, mais très tôt le matin, je produis. Et là, par exemple, il est déjà midi. Là, je reviens d'un rendez-vous. J'ai envoyé les premières boxes à la poste. Et pas possible, en fait. Attends, je vais mettre un petit ventilo de bureau. Ça, c'est... Ouais, ça sera peut-être mieux pour le son. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. En fait, je ferai une vidéo dédiée qui sortira mercredi. Ça sera encore mieux. Je vais me poser. Je vais tout vous montrer. Il y a des trucs. Top. Là, je suis sur le montage. Après, je retourne en production. Quand vous verrez, je vous expliquerai tout ça. La vidéo, par contre, de la box, je ne sais pas si elle sortira vendredi ou un petit peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi ce mois-ci, ça a été beaucoup plus long à produire. Chaque box m'a pris un temps fou. Là, je ne revois pas le bout. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'organise à fond. Tout est planifié, en plus des vidéos à tourner. Donc, moi, je vais arrêter maintenant ce vlog. Et on va se retrouver mercredi pour la présentation de tout. J'espère que cette vidéo vlog quand même vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Je vous attends dans les commentaires. Et je vous dis à mercredi.